la foi qui me fait vivre. Dieu et César, le 22 août, au contact des autres. Est-il licite pour nous de rendre hommage à César ou non? Et il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » La réponse du Christ était une réponse franche à la question, tenant dans sa main la pièce romaine sur laquelle était estampillé le nom et l'image de César. Il déclara que, puisqu'il vivait sous la protection du pouvoir romain, il devait rendre à ce pouvoir le soutien qu'il réclamait tant que cela n'était pas en conflit avec un devoir plus élevé. Mais tout en était paisiblement soumis aux lois du pays, ils devaient en tout temps donner leur première allégeance à Dieu. Nous devons reconnaître le gouvernement humain comme une ordonnance de nomination divine et enseigner l'obéissance à celui-ci comme un devoir sacré dans sa sphère légitime. Mais lorsque ces prétentions entrent en conflit avec celles de Dieu, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La parole de Dieu doit être reconnue comme étant au-dessus de toute législation humaine. Un « ainsi dit le Seigneur » ne doit pas être mis de côté pour un « ainsi dit l'Église » ou un « ainsi dit l'État ». La couronne du Christ doit être élevée au-dessus des diadèmes des potentats terrestres. La sagesse et l'autorité de la loi divine sont suprêmes. Les 10 préceptes de Jéhovah sont le fondement de toutes les lois justes et bonnes. Ceux qui aiment les commandements de Dieu se conformeront à toutes les bonnes lois du pays. Nous ne sommes pas tenus de défier les autorités. Nous devons aller devant, aller de l'avant, au nom du Christ, en défendant les vérités qui nous ont été confiées. Si les hommes nous interdisent de faire ce travail, nous pouvons alors dire comme les apôtres, « S'il est juste aux yeux de Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu, jugez-en, car nous ne pouvons pas dire les choses que nous avons vues et entendues. » Acte 4, verset 19. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous attendons que notre Seigneur, du ciel, vienne sur terre pour établir son royaume éternel.